J'ai fait les dernières games en vocal avec Chlorura aussi. Ah, oh, d'accord. Quel tricheur cet ISO. À 2 contre 1. Moi, je suis contre ce principe-là. Je trouve ça dégueulasse. Il y a Morph qui m'avait proposé à l'époque. Il m'avait dit, tiens, pour ton premier passage légende, si tu veux, on fait les dernières games ensemble. Mais non. Fais pas les dernières games ensemble. Enfin, c'est de la triche. C'est pas acceptable. Moi, j'ai toujours. C'est dégueulasse. C'est pour ça que quand je vois souvent les streamers qui sont à deux pour faire des plays, tout ça, bon, on l'a fait une fois, hein. On a fait une soirée avec Kel'Reborn, on a géré comme ça, mais quelque part ça me chagrine un peu quand même. Mais bon, on va quand même. Bon, vas-y, on va faire ça. Ah, toujours Reno, ok. Comme Lance, voleur est la classe la plus brain. Alors, à une certaine époque, c'était vrai, comme Lens. Maintenant, je suis pas vraiment d'accord avec tout ça, moi. Je vais pas Lightning Ball parce que je veux sortir la 7-7 prochain tour. Ouais, bof. Ah, mais on va pas sortir la 7-7 alors. C'est quoi? Je crois qu'on va plutôt la jouer comme ça. Fait boum. Je lui laisse aucun pirate. Je prends le contrôle du board avec une 3-4 plutôt que simplement d'avoir joué le Jade Lightning. Jade Lightning, ça gérait. Ça gérait son Berserker, mais ça me faisait juste une 1-1 sur le board et la 3-2 restait en vie. Enfin, la 1-2 restait en vie. Là, au moins, on a tout géré. J'ai plus beaucoup de cartes. Je peux rien faire au prochain tour. Mais j'ai une 3-4. Ah merde, c'est un dragon. Ah, c'est pas cool. Allez, Spell Power, come on. One time. Dame. Bon, c'est pas la pire. On n'attaque pas ici. En fait, on croise plus du tout de War Pirate de base. On croise que des War Dragons maintenant. Le War Pirate en avait peut-être marre de se faire piller par Shaman. Tunnel Trog ou pas Tunnel Trog? On peut le buffer plutôt au prochain tour avec ça. Il nous économise 3 points de dégâts. Enfin 3 points de vie. Lui. Parce qu'il va venir trade avec une des 3-3. Prochain tour, on fait quoi? 7 mana. Trog, ça et ça pour avoir 3. Ouais, non, c'est pas mal. Non, vas-y, laisse tomber. On va pas le jouer, on va le garder en stock. Il est plus qu'emmerdant ce crusher. Du coup, je peux même plus venir prendre le trade ici. Bon, j'imagine qu'il a vu qu'il avait l'étal. Merde, putain, ce crusher de merde. La sortie de ouf qu'il nous a faite avec les deux Alexstrasza de champion la précédente tour précédent, ça nous a ruiné. Il va nous BM. BM ou tu trades? Bon, ouais, BM. What? Mec, il est con. Putain, le mec, il miss le BM. Okay. Il est fou, ce mec, ou quoi? Donc du coup on est obligé de Jet Lightning. Bon ceci dit on va pas trop s'en sortir hein, mais on aura tenté quoi. Comment tu peux être en 2 et louper un létal qui est obvious? Faut m'expliquer. Je ne saisis pas.
Je devrais fermer ma gueule quand même, parce que moi aussi, des misplays, j'en fais pas mal. Bref, le mec il miss létal, quel con. Ben non, mais c'est vrai, attends. Il a 4 cartes qui lui donnent le létal à tous les coups. Hein. T'imagines si on lui vole la game là? C'est scandale. Oh my god. N'a pas vu avec la fatigue, il est omnubilé la mécanique de l'échange. C'est beau ce que tu dis. C'est vrai, hein. Bon, on va pas se mentir, tu as tout à fait raison. Allez, taunt. Allez, Tayo, suce à l'ennemi. Suce à l'ennemi. 8, 9, 10, 11, 12. On a 2 du létal. Lui, il y a peu de chances qu'il ait létal. Oh putain de merde, c'est pas vrai. Non! Non! Ok. 7, 8, 9, 10, 11. Ah, putain, le lava burst, il me fallait le lava burst. Ça, c'est pas dégueu quand même. Bon, bah. Oh, pas de taunt. Faut qu'on joue autour de Gros Mâche. Et du deuxième Corcron. Allez, et de l'arme. Oh putain, vas-y, pas de conneries. Allez, Detlor, abandonne. Tu sais que t'avais l'état, l'abandonne. Non! 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 Ce gros sac à merde. Ah, va te faire enfiler, putain. Oh merde, 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 merde.